Allô, allô. Il est 19h. Alors, je suis en direct, je ne sais pas du tout comment ça marche. Et j'attends Sébastien. Coucou! Eh ben voilà, il y a plein de monde, c'est chouette. Ça fait trop plaisir. Je sais pas où est Sébastien. Waouh, salut les gars. Ça marche, ouais. Un truc de fou. Alors, je sais pas, je suis censée parler avec Sébastien un petit moment, mais je vois pas du tout où il est. Ah, le voilà. Allô, allô? Bonjour, bonjour. Je pensais pas y arriver là, je t'avouerai. Bravo. Merci pour les infos. Comment ça va? Écoute, ça va. On fait au mieux. Ouais, non. Bon, Et enfermé, toi? tout enfermé, mais j'imagine que comme tout le monde, tu essayes de profiter pour faire, voilà, des choses, d'écrire, de préparer des projets pour après le Alors, confinement. ça oui, ça, j'écris énormément. Je compose, je rêve, voilà, j'écris des projets, Attends. je rêve de nouveaux albums, enfin, plein de trucs, quoi, voilà. Génial. Bon, Isabelle Georges, il y a plein de personnes qui se connectent. Donc, en attendant qu'ils se connectent, on va faire les petits trucs techniques d'épingler D'accord. les messages. Donc, OK. je vais mettre un petit message que tu vas voir apparaître avec un point rouge qui dit Live Now. Issa Georges, avec ton Instagram, comme ça les gens puissent te suivre après dans ton Instagram. Et aussi pour informer aux gens que demain, voilà, les personnes qui auront demain à 16h, Marina Pangos, et à 18h, Julien Nicolet. Parce qu'il y a deux lives par jour depuis 3 semaines, depuis le début du confinement. Donc Bravo. c'est super, parce que tout le monde comme toi s'est prêt au jeu pour partager un peu leur univers musical. Et c'est super, parce que pour ceux qui sont à la maison sans rien faire, au moins, peut partager un petit peu d'art, des musiques et de notre passion Ouais, ça qu'aujourd'hui on ne peut pas la va. partager autrement. Alors, il faut que j'appuie sur quelque chose là. Alors là, quand tu vois le message, tu le prends avec ton doigt et tu appuies deux fois Ouais. et il va te dire épingler le message. C'est fait. Tout à fait, voilà. Bravo! Wow. Trop bien. Donc, pour ceux qui se connectent, on commence à raconter Isabelle Georges, comédienne, chanteuse, avec un. Voilà, un passé artistique incroyable. Moi, je t'ai vu il y a, je sais pas, très 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 longtemps dans un spectacle hommage à Judy Garland. Ah ouais, c'est mon premier, ouais. Ouais. C'est ma toute première création, ouais. Je t'ai vu dans ce spectacle-là. Inédit. Après, j'ai suivi un petit peu tout ce que tu fais parce qu'évidemment, quand on est dans le milieu, on voit les artistes qui sont sur scène et malheureusement, on ne peut pas tout le temps aller les voir parce qu'on est aussi sur scène. Mais Oui. il y a quand même des choses qui nous lient. Je trouve, parce que c'est fou, tu as fait un spectacle qui s'est appelé Oh là là, n'est-ce pas? Ouais. Voilà. Et moi, j'ai chorégraphié un spectacle qui s'est appelé Oh là là, oui. Donc, tu vois, Ah, il y a quand même des d'accord. rapprochements. Et tu as fait un spectacle qui s'est appelé Amor aussi. Amour à mort. Amour à mort. Et moi, j'avais fait un qui s'appelait Amor à mort. Donc, c'est drôle, tu vois, on est liés par C'est des... vrai, il y a des Voilà. petits liens, ouais. Donc c'est drôle et en même temps c'est sympa parce que quand on voit ça nous rappelle des choses, des souvenirs. Par exemple, moi quand je voyais tes titres de spectacle, je me disais, oh c'est dingue, tu vois, ça rapproche à ça et ça nous rappelle ce qu'on a fait. Ou peut-être, je sais pas si c'était avant, après, tu vois, mais on voyait des choses et c'est drôle. Mais dans tous les cas, moi j'ai eu la chance de te voir sur scène, donc je raconte aux personnes qui t'ont pas vu Moi et aussi, qu'il j'ai eu faut. la chance de le voir sur scène. Il faut aller voir Isabelle en spectacle parce qu'elle est vraiment géniale. Elle a une super voix, elle interprète à merveille tout. Et tu fais souvent C'est gentil. des hommages, non? Parce que tu aimes beaucoup, par exemple, certaines chanteuses. Est-ce que tu as déjà fait quelque chose sur Piaf? Non, en fait, j'ai fait un hommage à Judy Garland parce que c'était mon idole de gosse. Et que vraiment, à écouter sa musique quand j'étais petite, ça m'a donné envie de faire ce métier. Après, j'ai fait un hommage à Norbert Glanzberg.
parce que c'est lui qui a écrit Padam Padam et tout ça, et qu'il a une histoire absolument extraordinaire, hein, parce que on dit la chanson française, mais Norbert Rosberg, c'est un petit juif de l'Est qui a fui le nazisme et qui a atterri en France. Et je trouvais que c'était incroyable que tout le monde connaisse ses chansons, mais que personne ne connaisse son histoire. Et donc, j'ai fait un spectacle sur lui, Padam Padam. Et puis après, j'ai fait Broadway Enchanté, parce que bah, c'est la Madeleine de Proust, quoi. C'est ma petite Madeleine à moi, depuis toute petite, la comédie musicale. Et puis après, bah, petit à petit, je suis allée du côté de la chanson française, avec Amour à mort, avec Chante. Et là, le tout dernier, c'est Oh là là. Et Oh là là, c'est plus personnel. C'est vraiment un personality show, quoi. On appelle ça, les Anglais disent ça, j'aime bien ce mot-là, c'est marrant. C'est raconter des histoires, chanter ce qu'on aime. Et puis, pour la première fois, moi, j'ai écrit des chansons. Donc, voilà, c'est s'autoriser à être un tout petit peu plus libre aussi. Ne plus se cacher derrière quelqu'un, être soi-même à 100%. Donc, Isabelle, l'amour pour la musique, la comédie musicale, elle vient d'où? Dès toute petite, tu étais déjà entourée des artistes et tu voyais des comédies musicales, tu voyais des films musicaux? Alors, j'ai eu la chance de naître dans une famille où j'avais une grand-mère qui faisait de la musique de scène et une maman qui faisait du chant sacré. Et puis, comme j'étais malade assez gravement quand j'étais petite, ma mère me faisait chanter pour ne pas avoir mal. Et donc, chanter pour moi, c'est devenu pas la chose la plus extraordinaire au monde, quoi, ce qui permet de dépasser les soucis. Ah bah c'est top ça, c'est joli, parce que c'était la façon, voilà, d'oublier toutes ces douleurs que tu pouvais avoir ou la maladie en exprimant le chant. Donc le chant, c'est une expression de joie. Tout à fait, et ça fait du bien, ça fait énormément de bien. C'est vrai, il faut le dire à ces gens qui ne chantent pas, même si vous chantez dans la douche, il faut chanter. C'est un bien fou. C'est vrai, c'est une façon de faire sortir les émotions et d'être vivant. Oui, exact. Ouais. Donc aujourd'hui, Isa, tu n'es pas toute seule. Tu as une surprise pour nous, n'est-ce pas? Ouais. C'est bien ça, moi. J'aime bien et tout le monde aime bien les surprises. Mais attends, parce qu'avant que tout le monde découvre avec qui tu es, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui, je vais dire aux gens de ne pas oublier qu'en bas de l'écran, il y a un petit avion, tu sais, comme les avions en papier, qu'il faut appuyer pour partager le live avec toutes les personnes, avec tous les contacts, pour savoir aussi que les lives restent 24 heures sur Instagram. Donc, profitez à le partager, le partager, le partager. Et ensuite, il sera sur la chaîne YouTube Restez à la Maison, le musical. Donc, vous pouvez voir Isabelle après, ou vous pouvez voir tous les artistes qui sont passés depuis 3 semaines dans Restez à la Maison, le musical. Donc, n'hésitez pas à partager avec le petit avion et aussi à commencer à poser des questions. Parce que vous, si vous qui regardez, vous avez des questions pour Isabelle, vous pouvez les écrire et elle va répondre pour vous tous. Donc, aujourd'hui, tu es avec qui? Aujourd'hui, Frédéric, oui. Si tu veux bien venir te joindre à nous. Attention. Hoppa. Hello. 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 Ouais, j'ai de la chance d'être avec un artiste à la maison. Ah, ça c'est top. Ça arrive pas à tout le monde. Non. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? On commence à chanter tout de suite? Qu'est-ce qu'on fait? Écoute, moi, je vais, pour que la connexion elle soit meilleure, moi, je vais partir et je vais vous le laisser. Ouais. Comme ça, vous allez profiter, voilà, de tous ces écrans pour pouvoir être tous les deux en image. D'accord. Et je te remercie, Isabelle, je remercie aussi Fred d'être avec toi aujourd'hui à la Maison, le musical. Je vous laisse partager votre univers musical à toutes ces personnes qui sont là pour vous regarder. On n'oublie pas de partager le live. Et moi, je reste là, mais à te regarder, d'accord? Ça marche. Donc, n'oublie pas, quand tu finis le live, c'est à peu près 30 minutes, tu vas chanter ce que tu veux, ce que les gens te demandent. Tu vas fermer en haut. D'accord. Il va te demander si tu veux partager le live dans la story. Tu mets oui. Tu mets oui. OK. D'accord. Comme ça, on ne les passe pas et tout le monde peut les regarder. Sur Instagram aujourd'hui. C'est bien parce que dans ce confinement, plein de personnes ont fait un stage avec moi Instagram parce que c'était, c'est bien. C'était un peu formatif, tu vois. Donc, formateur. Merci beaucoup, Isa. Merci à toi. Je te remercie encore une fois. Amuse-toi bien et on est là pour t'entendre et pour découvrir ton univers musical. À très bientôt. Ça marche. Bon, alors, avec Frédéric, on vous a concocté un tout petit programme. Et le programme commence par une chanson d'Aznavour.
je sais pas, j'avais envie de la chanter parce que ben en fait tout le monde il y a beaucoup de gens qui sont séparés, il y a beaucoup de gens qui aimeraient dire se voir, se toucher, voilà. Et puis c'est pas possible, donc il faut attendre un peu. Et je trouve que cette chanson, elle est assez magnifique sur cette espèce, sur cette incapacité parfois de se voir, d'échanger. Et en même temps, ben on trouve toujours des moyens. Il y a toujours un moyen. Un silence éternel et muet, je traduis tes regards et lis dans tes sourires, interprétant les mots que tes mains veulent dire, dans ton langage étrange qui semble être un ballet, un émouvant ballet que tu règles pour moi, de gestes fascinants qui ne sont jamais les mêmes. Quand du bout des doigts tu murmures je t'aime, j'ai l'impression parfois comme entendre ta voix. Mon amour, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour. Grand amour, mon merveilleux amour, mon déchirant amour. Comme pour te parler, je manquais de moyens, me trouvant près de toi, comme en terre étrangère, ne pouvant me servir d'aucun vocabulaire. À mon tour, j'ai appris le langage des mains. Tu ris un peu de moi quand tu vois mes efforts, car je suis maladroite et fais souvent des gaffes. Je n'ai jamais été très forte en orthographe, mais j'ai tant à te dire. Je t'aime si fort, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour, mon émouvant amour, mon merveilleux amour, mon déchirant amour, tout. Voilà, c'était la toute petite première chanson d'Aznavour. Alors maintenant, avec Fredo, avec ce temps de confinement, évidemment, je ne sais pas si vous devez tous faire ça, on repart un peu dans ses souvenirs, on fait du tri, pas mal de tri. Et puis on retombe sur des choses qu'on a faites, qu'on a aimé faire. Du coup, ça nous donne envie d'en faire d'autres. Et nous, notre premier spectacle, c'était Une étoile et moi. Et alors, j'adore cette chanson, Make Someone Happy. Et du coup, on s'est dit qu'on allait vous faire deux petits extraits d'Une étoile et moi. Le deuxième, vous verrez, c'est après. Mais voilà, je vais essayer de faire des claquettes avec les baskets. Mais ça devrait aller, en fait. Hein. Allez, hop, c'est parti, soyons fous. Make someone happy. Make just one someone happy. Make just one heart the heart you sing to. One smile that cheers you. One face that lights when it nears you. One man you're everything to.
pain if you win it. Comes and goes in a minute. Where's the real stuff in life to cling to? Love is the answer. Someone to love is the answer. Once you found him, build your world around him. Make someone happy. Make just one someone happy. And you will be happy too. Bon, allez, les claquettes, on essaye, hein. Hey. Sur le tabouret de piano, s'il te plaît. Ah là là, merci, c'est chouette, tu vois, plein de cœur. Ah, il y a ton papa. Hi John, hi Tineke. Salut Caroline. Alors là, pour nous, c'est hyper émouvant de retrouver cette chanson qui fait aussi partie d'Une étoile et moi. Parce que quand on a commencé Une étoile et moi, Frédéric, il voulait absolument pas chanter dans le spectacle. Et je lui ai dit, bah non, mais il faut absolument que tu chantes avec la voix que t'as, c'est impossible autrement, quoi. Bon, maintenant je me tais et je le laisse chanter. Embrace me, my sweet embraceable you. Embrace me, my irreplaceable you. Just one look at you, my heart grew tipsy in me. You and you alone bring out the gypsy. And of all the many charms about you, but above all I want my arms about you. Don't be a naughty baby. Come to Papa, come to Papa, do. My sweet embraceable. Embrace me, my sweet embraceable you. Embrace me, you irreplaceable you. Just one look at you, my heart grew tipsy in me. You and you alone bring out the gypsy in me. I love all the many charms about you. Above all, I want my arms about you. Don't be naughty. Baby, come to Papa, come to Papa, too. My sweet embraceable, my irreplaceable, my sweet embraceable, you.
Oh, je vois plein de cœurs. Ah, merci les amis, c'est génial. Coucou, 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 coucou. Alors, oui, le temps. J'imagine que vous êtes tous, enfin, on se demande tous quand est-ce que ça va se terminer cette histoire. Et qu'est-ce qu'on fait de ce temps précieux, précieux à rester chez soi? Moi, je ne sais pas, moi, j'écris, j'imagine, je rêve, j'invente un avenir radieux, fait de plein de spectacles, de plein de théâtres ouverts et remplis à ras-bord. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'après les catastrophes, comme ce que nous sommes en train de vivre, il y a toujours un grand rayon de soleil. Moi, j'aime pas les tunnels, sauf pour la lumière au bout. Le temps et rien d'autre que tient le mien, celui qu'on veut nôtre. Le temps et rien d'autre que tient le mien, celui qu'on veut nôtre. Le temps qui va, le temps qui sommeille, le temps sans joie, le temps des merveilles, le temps d'un jour tendu de seconde, le temps qui court, celui qui gronde. Le temps et rien d'autre, le tien, le mien, celui qu'on veut nôtre. Le temps et rien d'autre, le tien, le mien, celui qu'on veut nôtre. Le temps qui va naître, le temps d'aimer et de disparaître, le temps des pleurs, le temps de la chance, le temps qui meurt, le temps des vacances, le temps glorieux, le temps d'avant-guerre, le temps des jeux, le temps des affaires, le temps joyeux, le temps des mensonges, le temps frileux ou celui des songes. Laisse-moi guider tes pas dans l'existence. Laisse-moi la chance de me faire aimer. Viens comme un enfant au creux de mon épaule. Laisse-moi le rôle de te faire oublier. Le temps et rien d'autre, le tien, le mien, celui qu'on veut nôtre. Le temps et rien d'autre, le tien, le mien, celui qu'on veut nôtre. Le temps des uns et le temps des autres, le tien, le mien, peut devenir nôtre. Le temps des uns et le temps des autres, le tien, le mien, peut devenir nôtre. Le temps. Oh, mes amis, je vous souhaite que ce temps soit propice à, je sais pas, à l'introspection, à faire le point et puis à décider de ce qu'on a réellement envie de faire. Et voilà, et à se tenir prêt pour que une fois que les portes soient ouvertes, et ben ce soit la joie qui prédomine. Ouais, je parle. On va se quitter avec une petite chanson qu'on aime bien avec Fredo. Et une chanson qui n'est pas du tout à propos puisqu'il fait très très beau dehors. Mais en fait, en ce moment, on est quand même... On apprend à chanter entre les gouttes, si je puis me permettre. Ouais. Et puis en même temps... J'ai hâte de retrouver le moment où on va pouvoir sauter dans les flaques. Chanter à tue-tête. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again.
sun's in my heart, and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing and dancing in the rain. I'm sailing in the rain, just singing in the rain, with a glorious feeling of happy again. I'm laughing at clouds, dark above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I walk down the lane with a happy refrain, just singing. Singing, singing in the rain. Oh, yeah. Bon, ben voilà, le petit concert est terminé. Fredo. Hey, hey. Hey. Regarde tous les cœurs et les coucous. Bon ben on vous dit au revoir. On vous dit un immense merci d'avoir répondu présent. Et puis youpi. Et merci Sébastien, c'est une super initiative. Euh